J'aime le slogan de la coalition Avenir Québec. On se donne le go. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt M. Legault qui se donne à nous. Suite à la fermeture du point de service du CLSC de l'Épiphanie, nous avons contacté M. Legault. Quelques heures plus tard, une rencontre à ses bureaux était organisée. Quelques jours plus tard, un point de presse, une pétition, une rencontre au C3S. Il a même déposé la pétition à l'Assemblée nationale pour nous. M. Legault nous a écoutés, il nous a accompagnés, il nous a représentés. Nous avons besoin de M. Legault dans le comté de l'Assomption. Nous avons besoin de M. Legault dans le Québec. Quand je pense à l'avenir de mes enfants, mes petits-enfants du Québec, je choisis un virage avec la coalition Avenir Québec. Bonjour, je me présente. Je suis Jeanine Cyr du cercle des fermières de la Chenée. Le 26 septembre 2013, c'était notre journée de la culture à notre local. Et on a eu la visite de M. Legault. Il s'est assis avec nous, on a discuté comme des amis. Et M. Legault, une fermière lui a posé des questions sur le système de la santé. Alors moi, j'ai osé parler de mon problème, car je venais de recevoir un diagnostic de cancer. Il fallait que je me trouve un gynéco-oncologue. Et M. Legault, après avoir patiemment écouté mon récit, a dit à Mme Tessier de lui de prendre mes coordonnées et de donner la carte de son local. Et par la suite, tout s'est déroulé. Elles m'ont téléphoné pour savoir si j'avais trouvé un médecin. Et tout ça par la charmante équipe à M. Legault. Et ayant un mari handicapé, j'avais besoin d'aide pour le temps que j'étais à l'hôpital. Et j'ai pas pu avoir de l'aide au début par le CLSC. Et c'est une de ses secrétaires qui a téléphoné. Et j'ai pu avoir partir la tête tranquille et avoir de l'aide pour mon mari le temps de mon séjour. Si ça n'avait pas été de M. Legault et de son équipe, je ne sais pas où je serais. Aujourd'hui, je me refais réopérer et j'ai déjà l'aide du CLSC. Et je lève mon chapeau à M. Legault et son équipe. Il nous faut un homme comme ça dans notre système.